Bonjour à tous, mais écoutez, on attend une minute ou deux que les autres se connectent. Voilà, à tout de suite. Bonjour à tous, écoutez, on va commencer dans quelques instants. À tout de suite. Mais bonjour à tous, j'espère que ça va bien sur le plan micro. Voilà, on n'est pas beaucoup aujourd'hui, mais c'était prévisible. Hein. Certains m'ont dit qu'ils travaillaient ou que vendredi ils ne pouvaient pas venir, donc ils verront la vidéo en replay. C'est pas grave. C'est une vidéo donc effectivement sur les espaces de couleurs, sur les paramétrages, sur le profil, sur le calibrage. C'est un problème qui est un peu difficile. Il y a 2 ans, il y avait énormément de questions sur ce genre de choses. Et puis surtout,
Il y avait des réponses un peu contradictoires avec les gens qui se disputaient. C'était un peu bizarre, j'y comprenais rien du tout. Donc, quand je comprends rien du tout, ben je m'énerve, je regarde un tas de choses et je me fais mon opinion. Donc ça m'a pris un certain temps parce que ça m'a pris un certain temps parce que alors je vais vous montrer un peu les choses que j'ai lues. Alors comment dire d'abord, vous verrez tout ce qui est dans cette vidéo, vous le verrez sur le site, hein, dans la gestion de la couleur, il y a une partie gestion de la couleur et c'est beaucoup plus complet, il y a plus de détails bien sûr, hein, dans la vidéo, on est obligé de faire un peu court. Donc à l'époque, quand je me suis un peu énervé sur la gestion de la couleur, mais écoutez, j'ai acheté ce bouquin, qui est le bouquin qui s'appelle La gestion de la couleur pour les photographes, les graphistes, la pré-presse. C'est un bouquin de Jean Delmas. Alors il est un peu vieux, hein, il date de 2012. C'est un pavé, hein, il fait 500 pages. Et là, il y a tout, il y a tout. Bon, alors effectivement, il commence à être introuvable, mais ça a été ma bible. Et j'ai compris beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses là-dedans. Bon, c'est très technique, hein, il faut vraiment le lire de manière répétée, etc. C'est quand même très complexe, mais au moins c'est des choses qui sont vraies. Le deuxième endroit où j'ai trouvé énormément de choses, et là vous pouvez y avoir accès, c'est le site de Arnaud Frisch. Arnaud Frisch qui a un site qui s'appelle guide gestion de la couleur.com. Gestion des couleurs, pardon, guide gestion des couleurs, je me suis trompé dans le titre. .com, bon, si vous faites Arnaud Frisch, hein, vous êtes directement dessus. Dans Google, vous faites Arnaud Frisch et vous trouverez aisément ce site. Donc, c'est un site qui est très bien. Alors, en particulier, il explique un tas de choses sur la couleur. Et puis, deuxièmement, il teste des appareils, il teste des sondes de calibrage, il teste des écrans. Il teste un tas de choses et il donne son avis. Et si vous cherchez un écran à n'importe quel prix, hein, des écrans pas chers ou des écrans très chers, hein, vous trouverez un peu son avis et il vous donnera quel est le meilleur écran à acheter pour le prix que vous voulez mettre. Il vous parle aussi de sondes, etc. Et c'est très 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 important. Voilà. Donc, je démarre, hein, donc vraiment dans le vif du sujet. Alors voilà, donc effectivement, la majorité des photographes n'ont pas de soucis. Hein. Ils achètent leur ordinateur, leur écran, ils voient les photos avec des couleurs qui sont à peu près correctes, et puis ils travaillent, ils s'impriment. Voilà, des fois ça va à peu près. Voilà, donc ils ne s'embêtent pas. Le problème, c'est qu'on s'aperçoit quand même que beaucoup, beaucoup de photographes, quand même, ont des problèmes. Alors, on le voit sur notre site, hein, les gens posent des questions. Comment se fait-il que j'ai une dominante de couleurs? Comment se fait-il que la photo que je viens d'ouvrir a des couleurs bizarres? Comment ça se fait que sur mon écran, il y a des couleurs et puis une certaine luminosité? Et puis quand j'imprime, mais c'est pas du tout la même chose. J'ai deux écrans, c'est différent. Les couleurs sont différentes sur mon écran et sur l'écran du copain. Elles sont différentes dans PS et puis elles sont différentes sur mon smartphone et sur le viewer. Voilà, la luminosité est pas pareille chez les autres. Voilà, ça n'arrête pas, ça n'arrête pas, ça n'arrête pas. Donc dites-vous que si vous n'avez pas de problème de couleur, un jour, de toute façon, vous en aurez un. Donc, alors, à mon habitude, je vais vous faire quelque chose pour faire comprendre les choses de manière à les faire assez schématique. Et ce n'est pas les recettes, c'est juste pour comprendre quelques principes qui vous permettront de vous débrouiller. Alors, disons tout de suite que la vidéo peut être un peu longue. Si vous en avez marre, vous arrêtez, puis vous la reprendrez en replay. Hein. Elle sera en replay comme d'habitude hein, sur ma chaîne. Donc voilà, alors il y a une chose qui est importante, c'est que le photographe peut avoir des exigences différentes. Le type fait un peu de photos, il met uniquement ses photos sur Facebook. Il va avoir peu d'exigences en matière de couleurs. Par contre, le photographe photographie des flacons de parfum pour Chanel qui vont servir à être mis dans un magazine comme de publicité. Et là, les exigences sont extrêmement importantes parce qu'il faut que le rose du flacon sur la photo soit exactement le rose du vrai flacon. Sinon, le Chanel ne va pas être content. Donc,
Donc là, il va avoir des exigences monstrueuses. Pareil, exigences très importantes pour le type qui va photographier des tableaux dans un musée et qui va en faire un livre. Là, il faut absolument que les couleurs soient les bonnes couleurs. Et c'est très exigeant. Donc on peut être exigeant à différents niveaux. Alors, comment dire? Tous les problèmes de couleurs, on peut les schématiser en deux parties. D'une part, le problème des espaces de couleurs et puis des profils incorporés. Et puis deuxièmement, la calibration du matériel. Alors bon, je vous avais dit hein, l'autre fois que une image peut être en mode RVB, hein, avec des couches R, V et B. Elle peut être en mode CMJN aussi, en mode lab, etc. Disons clairement que pour le photographe, bon Jean-Pierre, tu viens d'arriver, pour le photographe, on travaille toujours en RVB. Hein, c'est, voilà. On verra que éventuellement le CMJN peut être utilisé parfois avec les imprimeurs de pré-presse, mais voilà. Vous êtes photographe, vous travaillez en RVB. Et puis, bon, on verra aussi que vous pouvez travailler en 8 bits par couche, hein, de couleur, ou 16 bits par couche. Alors, le codage du couleur. Comment on code une couleur? Mais si vous êtes en mode RVB, vos couleurs seront codées en RVB, bien sûr, avec une composante R rouge, une composante V verte, et puis une composante B bleue. Voilà. Dans Photoshop, effectivement, vous pouvez aussi utiliser la dénomination TSL, hein, teinte, saturation, luminosité, qui est plus quelque chose d'intuitif, hein, qui nous parle plus que RVB. Mais c'est sûr que si vous travaillez en RVB, vos couleurs sont codées en RVB dans l'image. C'est ce dont il faut se souvenir. Alors, les espaces de couleurs. Les espaces de couleurs, en fait, ça indique un ensemble de couleurs. Un espace, c'est un ensemble de couleurs. Alors, il y a un ensemble référence qui est l'espace lab. En fait, alors c'est quelque chose de théorique, hein. Il y a des théoriciens qui ont fait une espèce de référence étalon sur les espaces de couleurs, et ils ont défini l'espace lab. Alors, l'espace lab, c'est un espace qui est extrêmement important, qui englobe toute la lumière visible par un œil humain. Donc, c'est un espace qui est extrêmement large, et pour chaque code de couleur lab correspond une couleur extrêmement précise avec une longueur d'onde extrêmement précise. Donc en fait, c'est vraiment la référence. Si vous dites que vous avez une couleur avec un code lab précis, mais ça ne correspond qu'à une couleur. Et ça, c'est dans le monde entier, partout, pour tout. Alors on représente cet espace lab sur un espèce de fer à cheval. Hein. C'est une représentation simplifiée. On appelle ça le diagramme de chromaticité, pardon. C'est un peu simplifié parce que ça prend assez peu en compte la saturation. Enfin, ça donne une bonne idée. Hein. On dit c'est le fer à cheval. Et pour chaque point, pour chaque couleur, il y a un code lab qui est extrêmement précis et unique. Et pour chaque code lab, il y a une couleur unique. C'est le maître étalon. Alors, bien sûr, on ne peut pas utiliser cet espace de couleur. Pourquoi on ne peut pas l'utiliser? Parce qu'il est extrêmement grand. Il n'y a aucun appareil photo, aucun écran qui peut utiliser, qui a cet espace de couleur-là. Ce n'est pas possible. Donc, c'est pour ça que des ingénieurs, les chercheurs, ont créé d'autres espaces un peu plus petits, qu'on appelle les espaces indépendants des périphériques. C'est-à-dire, c'est des espaces un peu théoriques, un peu définis. Alors, qui ne correspondent pas à ce qu'il y a dans un appareil photo ou un écran, mais qui sont comment dire, compréhensibles un peu par tout le monde. Alors voilà, donc vous avez l'espace lab, hein, qui est le grand fer à cheval, où il y a toutes les couleurs visibles, et on va donc créer des espaces beaucoup plus petits. Alors l'espace que vous connaissez bien, c'est l'espace RGB. C'est l'espace le plus petit, hein, il ne monte pas trop haut dans les verts saturés. Il est petit. Mais il a l'avantage d'être un peu universel, c'est-à-dire que le moindre des écrans de moyenne qualité, le petit appareil photo d'entrée de gamme, tout ce que vous voulez, peut le gérer et peut afficher ou capter les couleurs de l'espace RGB. C'est un peu le plus petit dénominateur commun dans les espaces. Et puis comme c'était un peu insuffisant, Adobe a créé un autre espace qui est un peu plus grand,
qui s'appelle l'espace Adobe RGB 1998. Cet espace est un peu plus grand, c'était un peu pour répondre aux besoins des photographes. En particulier, on voit qu'il monte beaucoup plus dans les verts. Et puis ensuite, suite un peu à Lightroom et tout ça, et au nouveau matériel, il a été créé un troisième espace qui est encore plus grand, qui s'appelle l'espace Profoto, donc c'est ce grand triangle-là, qui lui est extrêmement grand. Alors il n'occupe pas toutes les couleurs visibles, hein, c'est pas possible, mais il est quand même extrêmement grand. Alors c'est un espace théorique, hein, comme je vous ai dit, c'est-à-dire qu'il dépasse même un peu la couleur visible, hein, c'est-à-dire qu'il définit des couleurs qui ne sont pas visibles. Bon, ce n'est pas le problème, voilà. Alors il y a quelqu'un qui me pose une question là, sur laquelle j'avais travaillé, est-ce que tous les yeux humains ont la même perception des couleurs? Alors effectivement, il y a les daltoniens, hein, qui est quelques pourcents, hein, surtout chez les hommes. Et puis, pour étudier les couleurs, alors je ne me souviens plus de la date, mais des gens ont fait des tables de couleurs il y a quelques dizaines d'années pour répertorier les couleurs, les mélanges de couleurs avec les couleurs additives et soustractives, etc. Et pour ça, ils ont testé les yeux de milliers de personnes. Et ils sont aperçus que tout le monde voyait à peu pratique, probablement la même chose, puisque par exemple, un mélange de rouge et de bleu va donner un violet qui sera perçu de la même manière chez tout le monde, sauf à peu près 10% de la population. Qui ont des décalages dans la sensibilité des cônes et qui voient des couleurs un peu différentes. Et il se trouve que les 10% de gens qui voient des couleurs un peu différentes, ce sont principalement les hommes. Donc ça expliquera certaines choses. Hein, pour ma part, je suis probablement dans les 10% parce que de temps en temps, je vois du bleu alors que les autres voient du vert. Voilà, c'est pas très important, mais voilà, à part 10% de la population, tout le monde voit les mêmes couleurs. Donc mes trois espaces, hein, sRGB, Adobe RGB et Profoto. Alors, c'est une autre notion qui est importante, c'est un autre mot que vous allez apprendre, c'est le gamut. Le gamut, c'est quoi? Le gamut d'un périphérique, c'est l'ensemble des couleurs qui est capable de reproduire ou de saisir un périphérique. Bon, le gamut d'un écran, c'est toutes les photos, toutes les couleurs qu'il peut afficher. Le gamut d'un appareil photo, ben c'est toutes les couleurs qu'il peut capturer. Alors, c'est très intéressant parce que si vous regardez un appareil photo moderne, un appareil photo moderne, vous voyez que le gamut de l'appareil photo, c'est le triangle blanc, mais on s'aperçoit qu'il est largement supérieur à Adobe RGB et qu'il se rapproche de Profoto. C'est-à-dire que nos appareils photo récents, modernes, captent énormément de couleurs. C'est très, 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 très large. Ce qui explique un peu pourquoi les RAW, qui conservent toutes ces couleurs capturées, se retrouvent dans Lightroom. Et dans Lightroom, on travaille dans un espace qui est l'espace proche de Profoto, justement pour conserver absolument toutes les nuances de couleurs. Un écran, par contre, alors c'est le maillon faible, hein, la majorité de nos écrans sont des écrans standards avec plutôt comment dire, un gamut qui se rapproche du sRGB. Hein. Mais sinon, il y a les écrans large gamut hein, qui, eux, affichent pratiquement de l'Adobe RGB. Mais la majorité des écrans affichent quelque chose d'assez étroit du sRGB. Maintenant, si on imprime. Alors une imprimante offset, hein, le type qui imprime des affiches, qui imprime des flyers, des bouquins, etc. On s'aperçoit que le gamut, c'est-à-dire le nombre de couleurs toutes les couleurs qu'il peut imprimer, c'est quand même assez étroit, c'est assez bizarre. Alors en vert, là, l'envers, c'est les presses américaines, et puis le faux gras 39, c'est les presses européennes. Hein, voilà, c'est quelque chose qui imprime pas beaucoup de saturés, etc. Par contre, une imprimante Gédanke moderne, ben elle imprime quelque chose de très large, elle imprime beaucoup, beaucoup de couleurs. Alors, si on compare son gamut avec Adobe RGB, ben on s'aperçoit qu'elle imprime pratiquement presque plus de couleurs que l'Adobe RGB. Donc, ça, c'est étonnant. Hein. Bon. Donc, voilà, donc l'appareil photo moderne capte énormément de couleurs, donc un espace très, très, très large. L'écran, c'est un peu pourri, ça affiche peu de couleurs.
Et les imprimantes jet d'encre modernes, elles impriment beaucoup, beaucoup de couleurs. Alors, du coup, qu'est-ce que vous allez choisir comme espace de travail? Qu'est-ce que vous allez prendre comme espace de travail? Voilà, donc là, c'est RGB, comme j'ai dit, est standard. Si on travaille sur le web, effectivement, c'est très bien. Hein, tous les gens qui vont regarder la photo, ils vont avoir affiché l'espace RGB et tout le monde va être content. Vous n'avez pas envie de vous embêter. Vous ne travaillez que sur le web, sur les écrans. Bon, le sRGB peut éventuellement suffire. Adobe gRGB, par contre, effectivement, c'est plus pour les photographes, hein, ça a été conçu par Adobe pour les graphistes et surtout un peu destiné à l'impression parce que voilà, si vous imprimez une photo Adobe RGB, elle sera bien imprimée pour une imprimante jet d'encre. Le Pro Photo, lui, il est très très large, comme on l'a dit, hein, et il s'est utilisé dans Lightroom et ça conserve toutes les nuances de couleurs qu'a pu capter l'appareil photo. Une petite parenthèse, quand vous travaillez en Profoto, il est impératif de travailler en 16 bits par couche. Parce que dans Profoto, il y a tellement de couleurs différentes que pour coder toutes ces couleurs, il faut mieux 16 bits que 8 bits. Alors, voilà, donc ça c'est la théorie. Bon, la pratique, effectivement. Bon, voilà, si vous avez une photo avec un visage, bon, ben, toutes les couleurs du visage se retrouveront plutôt au centre du triangle. Et puis, vous n'avez pas de vert très très saturé dans un visage. Donc, si vous êtes en sRGB, vous ne verrez pas bien de différence. Voilà. Donc, effectivement, plus l'espace est grand, plus vous avez des couleurs extrêmement saturées. Alors, il y a une remarque, on dit, ben voilà, pourquoi ne pas utiliser un tout petit espace, hein, ben voilà, avec quand on travaille sur le web, effectivement, les copains, ils ont des écrans sRGB, donc c'est largement suffisant. Pourquoi pas? Alors, il y a une chose qui me paraît fondamentale, et ça, dans le bouquin de Delmas, il l'explique très bien en montrant des exemples. Il faut savoir que les calculs en interne dans PS et dans Lightroom, ils sont faits dans des espaces extrêmement larges, hein, c'est Profoto, plutôt dans Profoto. Et puis les calculs, ils ne sont pas faits en 8 bits, comme ils sont faits pour les informaticiens, hein, en nombre, en virgule flottante. Et automatiquement, quand on fait une modification de la photo, il y a des calculs énormes qui se font. Et ensuite, vous êtes en 8 bits dans un petit espace, mais il est obligé d'y avoir des arrondis de calcul et des approximations dans les calculs pour ramener tous ces calculs très complexes à des petits chiffres pour rentrer dans le 8 bits de la photo. Et automatiquement, ça crée des dégradations si vous faites des traitements. Alors effectivement, si vous faites peu de traitements, la dégradation ne va pas être importante, mais si vous faites des gros traitements, automatiquement, il va y avoir des erreurs d'arrondi, il va y avoir des effets de bande, par exemple, dans les dégradés. Et petit à petit, si vous travaillez beaucoup sur cette photo, il peut y avoir une légère dégradation. Donc ce qui est conseillé, c'est de travailler toujours dans les espaces les plus grands possibles, avec une profondeur, c'est-à-dire 16 bits, plutôt qu'en 8 bits, parce que si vous faites du post-traitement, vous aurez moins de dégradation de la photo. Ensuite, quand vous aurez terminé votre travail, vous exporterez votre photo pour le web, pour l'imprimer, et là, effectivement, vous pourrez réduire l'espace de couleur ou la profondeur. Mais tous les spécialistes disent qu'il est préférable de travailler dans le plus grand espace possible, avec la plus de profondeur possible. Donc, qu'est-ce que vous allez faire en pratique? Alors, vous shootez en JPEG, hein, vous shootez en JPEG. Sur votre appareil, vous pouvez choisir sRGB ou Adobe RGB, d'accord? Vous êtes photographe, donc effectivement, peut-être que vous allez des fois avoir des verres saturés à prendre en photo et tout ça. Donc, alors, si vraiment, vraiment, vous faites que du web, vous prendrez RGB, vous imprimez pas vos photos, vous en ferez jamais rien, vous utilisez les RGB. Mais si vous êtes photographe, utilisez plutôt Adobe RGB sur votre appareil. Vous le notez, hein, pour les JPEG toujours. Et du coup, ça va aller dans Photoshop. Là, dans Photoshop, vous allez conserver le profil incorporé. On verra ça. Et puis, du coup, vous travaillerez dans Photoshop en Adobe RGB. Et votre photo, vous l'enregistrez en Adobe RGB. Et puis, quand vous voulez l'exporter, votre photo, mais si vous voulez l'exporter pour le web, vous la convertirez en sRGB pour le web.
Et puis, si par contre vous voulez l'envoyer à un imprimeur photo en TIFF, par exemple, ben là vous pouvez l'envoyer en Adobe RGB. Voilà. Exceptionnellement, ça sera vous transformerez en CMJN pour l'offset si vous voulez imprimer une affiche et si l'imprimeur vous le demande. Mais enfin bon, voilà. Vous shootez en Adobe et vous travaillez en Adobe et vous exportez en sRGB pour le web ou sinon en Adobe ou en ce que vous voulez pour l'impression. Si vous travaillez en RAW, par contre, le RAW n'a pas un RAW n'a pas de profil couleur. Un RAW n'a pas de profil couleur. Donc la couleur, elle rentre dans Lightroom ou un autre dérotiseur. Et là, le dérotiseur s'arrange pour que les couleurs soient bien. Et lui travaille en prophoto. Ensuite, vous allez faire le choix de l'espace de couleur en exportant la photo. C'est-à-dire que si vous voulez envoyer la photo dans PS par contrôle E, mais vous savez que dans Lightroom, vous avez un paramétrage sur les éditeurs externes qui permet de choisir non seulement le type de photo, c'est-à-dire TIFF ou PSD, mais vous choisirez aussi comment dire, l'espace de travail. Et comme vous étiez votre appareil photo en RAW, il a énormément de couleurs et un espace de travail extrêmement grand. Dans Lightroom, vous travaillez en Prophoto, c'était dans un espace extrêmement grand. Pourquoi ne pas rester en Prophoto pour travailler dans PS? Et là, dans PS, comme vous lui dites toujours, conservez le profil incorporé. Mais si vous envoyez à partir de Lightroom une photo en Prophoto, ben elle sera en Prophoto, vous bosserez en Prophoto 16 bits. Les calculs seront très bien, il y aura peu d'erreurs d'arrondi, peu de dégradation de la photo. Et puis, là, vous conservez effectivement votre photo de travail dans ces formats-là. Par contre, quand vous exporterez en JPEG, en sRGB pour le web par exemple, et puis pour l'impression, vous exportez en TIFF, en PSD, en Adobe, en S, voilà. Mais vous avez toute votre chaîne de travail, elle est en Prophoto si vous êtes en RAW. C'est un peu ce qu'on conseille. Donc j'espère que c'est clair. Donc voilà, pour simplifier et pour résumer, si vous êtes vraiment, vous faites de la photo pour mettre sur les réseaux sociaux, pas d'impression, vous savez que vous ferez strictement rien de vos photos plus tard, mais bon, shooter en sRGB et puis bosser en sRGB, bof. Si par contre voilà la photographe, vous shootez en JPEG, et vous imprimez certaines photos, bossez en Adobe RGB. Si par contre vous shootez en RAW, si vous passez par Lightroom ou un autre dérotiseur, bossez en Prophoto tout le long de la chaîne. Et quand vous voudrez exporter, vous imprimerez en sRGB pour le web ou en Adobe ou Prophoto pour votre imprimeur. Voilà, donc rappelez-vous bien que l'appareil photo, lui, il enregistre énormément de couleurs et les imprimantes GEDANK, qu'elles enregistrent énormément de couleurs. Ce n'est pas parce que vous avez sur votre écran un petit espace et que vous voyez plus de couleurs qu'il faut dégrader votre photo. On ne sait pas ce que ça va donner. Dans quelques années, on aura peut-être tous des écrans qui vont afficher Prophoto et vous récupérez vos photos de bonne qualité. Voilà, j'espère que c'est clair. Alors donc sur l'appareil, effectivement, hein, en JPEG, vous réglez, si vous shootez en JPEG, vous réglez l'espace de couleur, hein, sur Adobe RGB. Et puis, quand vous êtes dans Lightroom et quand vous passez vos photos dans des RAW, dans PSB, dans l'éditeur externe, vous choisissez Prophoto. Et puis, dans le panneau, alors c'est intéressant, on verra ça tout à l'heure, dans le panneau couleur qui paramètre le comportement de la couleur dans Photoshop, hein, c'est menu édition couleur, là il y a un panneau qui permet de paramétrer. Mais là, on va lui dire, règle de gestion des couleurs, ici, conserver les profils incorporés. Ça veut dire que s'il reçoit une photo en Adobe, il continuera à bosser en Adobe, s'il reçoit une photo en Prophoto, il continuera à bosser en Prophoto, etc. Accessoirement, il y a l'espace de travail
qui est Profoto ici, mais l'espace de travail, il faut se rappeler qu'il est utilisé uniquement pour les photos qui n'ont pas de profil. Donc, c'est moins important, vous aurez quand même très peu de photos qui n'ont pas de profil. Surtout, ce qui est important, c'est ça. Règle de gestion de la couleur, hein, tous les spécialistes sont d'accord. Conservez le profil incorporé. Et si vous voulez savoir ce qui se passe, vous cliquez sur choix à l'ouverture, comme ça vous en mettra. Vous ouvrira un panneau quand vous ouvrez une photo dont le profil est pas celui du haut. Ça vous ouvrira un panneau en vous demandant de confirmation. Si vous décochez choix à l'ouverture, ben, automatiquement, une photo qui arrive dans Photoshop, il va conserver le profil. C'est ce qu'on conseille. Et puis, il va ouvrir Photoshop avec le profil incorporé. Voilà, quand vous exportez une photo aussi, ben, comment dire, dans Lightroom, vous exportez votre photo. Mais vous avez les paramètres de fichier, hein, JPEG, et puis là vous choisissez votre espace colorimétrique. Et puis dans PS, si vous exportez une photo, mais si vous l'exportez pour le web, hein, passez toujours par fichier, exportation, exporter pour le web, et là vous exportez votre photo en cochant bien toujours incorporer le profil et convertir en sRGB, et comme ça vous aurez votre photo d'exportation qui sera bien dans RGB. Voilà. Alors, ça, cette première partie est terminée, j'espère que c'était clair. Deuxième partie, c'est l'intérêt du profil incorporé. Alors ça, c'est intéressant. Je vous ai dit qu'un code lab, il indiquait une couleur unique, hein, avec une longueur d'onde, donc pas de problème, on ne peut pas se tromper. Mais nos photos sont codées en sRGB. Le problème, c'est qu'en sRGB, une couleur, comment dire? Pour une même couleur, le code sRGB va pas être le même en fonction des espaces de couleur. Autrement dit, un code couleur sRGB, un code couleur, hein, 3, 2, 24, donnera une couleur différente en fonction de l'espace de couleur dans laquelle vous êtes. Alors un exemple, si j'ai par exemple une couleur RVB qui est 0, 255 0, c'est-à-dire que c'est du vert, il n'y a que du vert, hein, du vert complètement saturé. Mais si je bosse en sRGB, ma couleur va être ici, c'est-à-dire au sommet de l'espace. Si par contre je bosse en Adobe RGB, ma couleur, elle va être là, c'est-à-dire qu'elle va être au sommet de l'espace Adobe RGB. Et si je bosse en Profoto, ben ma couleur, elle va être là. Bon, elle ne va pas être visible. Bon. Voilà. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fonction de l'espace de couleur, pour un même code RVB, mais la couleur n'est pas la même. Alors, voilà un exemple. Par exemple, là, j'ai un code de couleur. J'ai un code de couleur 209 144 82. Hein, c'est R, G et B, les trois composants de la couleur. Mais si cette couleur-là, si j'ai un pixel avec ce code-là, le code couleur-là, ben en Profoto, ça va donner cette couleur. Si par contre je suis dans un espace Adobe, ça va donner cette couleur, et dans l'espace RGB, ça va donner cette couleur. À l'inverse aussi, j'ai une même couleur. J'ai une couleur, c'est voilà, les trois carrés sont la même couleur. La preuve, hein, si je regarde le code lab, mais tous les trois carrés ont le même code lab, hein, lab 53, 22, 06. Tous les trois, ils ont le même code lab, donc c'est la même couleur. Et si cette couleur-là, je l'ai dans l'espace sRGB, mais son code RVB, ça sera celui-ci, 160, 112, 137. Pour Adobe, ça sera un autre code, pour Profoto, ça sera un autre code. C'est un peu bête, hein, mais on ne travaille pas en lab, on travaille en RVB et la couleur donnée pour un même code dépend de l'espace où on est. Alors voilà, par exemple, on a une photo où on n'a pas de profil. Hein, il y a une photo où on ne sait pas si cette photo, on est en Adobe, on est en Profoto ou on est en sRGB. Mais si on dit à Photoshop, c'est de l'Adobe, mais voilà les couleurs qu'il va donner. Si on lui dit, non, c'est du Profoto, voilà les couleurs qu'il va donner. Et si on lui dit, mais non, c'est du sRGB, voilà les couleurs qu'il va donner. Effectivement, le Photoshop, dans ce cas-là, et beaucoup de logiciels, à partir du moment où ils ne savent pas quel est le profil qui a été utilisé, affichent des couleurs différentes. Pourquoi? Parce que le code ne fait référence à aucun espace et à un code couleur. Alors, suivant les logiciels, mais s'il ne sait pas, il se dit, tiens, ça doit être du sRGB, et puis il affiche comme du sRGB.
Mais comme si c'est du Profoto, mais c'est pas les bons codes et du coup, les couleurs sont fausses. Alors voilà, ça il faut que d'une part qu'on sache dans une photo quel est l'espace qui est utilisé. Puis deuxièmement, il faut que le logiciel qui affiche la photo sache et gère l'espace. Alors là, j'ai une photo qui est en Adobe RGB, hein, par exemple. Une photo qui est en Adobe RGB. Et comment dire, si là à gauche, c'est un logiciel qui gère les profils, qui l'affiche, et puis à droite, c'est un logiciel qui gère pas les profils. Bon, il sait pas trop, donc il affiche comme si c'était une photo sRGB. Voilà, bon, on remarque tout à fait que les couleurs sont complètement différentes, hein. Regardez le rouge là qui est en dessous, pour un logiciel gérant le profil, et puis là de ce côté-là, pour un logiciel ne gérant pas le profil, mais les photos, les couleurs sont pas bonnes, les couleurs sont pas bonnes. Alors là, c'est un peu minime, mais il y a des fois où c'est très flagrant. Je vois une question, je vais y répondre tout à l'heure, hein, où je trouve les codes couleurs. Donc voilà, donc la nécessité, il faut absolument qu'il y ait un profil, qu'on sache la photo, il faut absolument qu'on sache dans quel espace elle est. Et pour savoir, on met dans la photo un profil qu'on appelle le profil incorporé. Hein. Donc tous les JPEG, les TIFF, les PSD doivent contenir absolument un profil. Sinon, ce qui affiche la photo ne sait pas du tout de quelle couleur il s'agit. Les RAW n'ont pas de profil, mais comme on disait, Lightroom et Camera RAW leur en donnera un en exportant sous forme de TIFF ou de PSD ou de JPEG. Alors effectivement, il faut faire attention. Hein. Il y a certaines images du web, certaines captures d'écran, certains scanners, Paint par exemple, sort des photos où il n'y a pas où il n'y a pas de profil. Il y a une mauvaise exportation à partir de Photoshop. Va fournir une photo qui ne contient pas de profil. Et c'est là que, effectivement, quand les gens regardent leurs photos dans un visionneuse à l'extérieur de PS, ils voient des couleurs complètement bizarres, ben c'est parce qu'ils n'ont pas mis de profil dans leur photo. Et puis, deuxième chose, comme je vous disais, il faut que le logiciel qui affiche la photo utilise des profils. Alors là, il y a plein de choses qui se disent, hein, qui sont fausses. Hein, bon, alors d'abord, ben dans PS, Lightroom, Bridge, les navigateurs récents, sur Mac qui gère mieux la couleur que Windows, sur Windows 10, il n'y a aucun problème. Hein, tous les logiciels récents et tout ça gèrent les profils. Il n'y a pas de problème. Les problèmes viennent surtout, dans mon expérience, sur les gens qui ont des Windows 7, hein, ou bien qui récupèrent des vieilles visionneuses qui mettent dans Windows 10. Et des vieilles visionneuses, parfois ne gèrent pas les profils. Alors du coup, s'ils veulent afficher une photo Adobe RGB ou Profoto, c'est la catastrophe. Fasthone et XnView, c'est des viewers là, qui sont très utilisés. Eux, il faut absolument dans les paramètres indiquer qu'ils prennent en compte les profils. Parce que sinon, comme ça, ils ne gèrent pas les profils. Donc voilà, donc il faut avoir une photo avec des profils et puis il faut que l'affichage gère les profils. Alors si vous envoyez vos photos, en particulier sur le web, vous ne savez pas trop ce qu'ont les gens, s'ils ont un logiciel, s'ils sont sous Windows 7 avec une vieille version d'un viewer, vous savez pas trop. Alors, il est de bon ton, effectivement, mais quand vous mettez des photos sur le web, vous envoyez des photos à des gens, vous ne savez pas trop comment ils gèrent les photos, mais vous les exporterez en sRGB. Comme ça, tous les viewers, tous les vieux logiciels, quand ils ne savent pas trop, mais ils impriment comme du sRGB et du coup, les couleurs sont à peu près correctes. Donc, c'est un peu un nivellement par le bas, mais sauf pour le web et pour les copains, envoyez des photos en sRGB. Voilà. Alors, autre chose, comment dire, je vous ai parlé de conversion. Donc, si vous avez une photo et que vous la convertissez, qui est en Adobe, par exemple, RGB, que vous la convertissez en Profoto ou en sRGB, mais les couleurs sont les mêmes. Les couleurs sont les mêmes parce qu'on change d'espace, mais du coup, la conversion modifie aussi les codes couleurs de manière à ce qu'on obtienne toujours les mêmes couleurs. En changeant, on convertit une image. Donc il n'y a pas de changement de couleur, sauf pour les couleurs très 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 saturées.
Alors, pour les couleurs très saturées, effectivement, si par exemple je transforme une photo qui est en Profoto en sRGB, l'espace de destination, il est beaucoup plus petit. Donc, pour les couleurs qui sont communes, ça va aller. Mais les couleurs, par exemple les verts très saturés, c'est dans l'espace de départ, mais le vert très saturé, il n'est pas dans l'espace d'arrivée. Donc, qu'est-ce qu'on va faire les convertisseurs? Ben, ils vont transformer les couleurs très saturées en couleurs moins saturées. Et pour ça, il y a deux mécanismes. Donc, je vais passer rapidement parce que ça peut être très long et c'est assez compliqué. Mais il y a le mode de rendu qui est relatif à gauche, c'est-à-dire que les couleurs qui sont communes ne sont pas touchées et les couleurs qui sont très saturées, elles, sont ramenées sur le bord de l'espace de destination. Et sinon, l'autre mode perceptif, c'est les couleurs très saturées sont ramenées dans l'espace de destination, au bord de l'espace de destination qui est plus petit, mais les couleurs qui sont dans l'espace de destination sont aussi, elles, légèrement décalées, de manière à conserver une différence relative entre les couleurs. Ce qui semble être plus logique, parce que si vous avez une différence de nuance entre deux verres, en mode relatif, la différence de nuance ne sera pas visible, alors qu'en mode perceptif, la nuance sera visible. Et on conseille aux photographes d'utiliser plutôt le mode perceptif. Ce n'est pas toujours vrai, mais bon, ça, voilà, faut faire des tests des fois, mais je vous montrerai. Ensuite, il y a d'autres modes, hein, le mode absolu, le mode saturation, etc. Plus pour voilà, mais surtout pour le photographe, c'est le mode relatif et le mode perceptif. Et a priori, on utilise le mode perceptif. Voilà, alors je vais vous montrer un peu dans PS comment ça se passe. Hein. J'espère que c'est pas trop compliqué. C'est vrai que c'est un peu lourd. Voilà. Alors j'ai une photo. Alors où est ma comment dire j'ouvre une photo. Alors effectivement, donc déjà dans l'onglet, je vois que ma photo elle est en RVB. Hein. Donc, si elle était en CMJN, ça serait écrit CMJN. Là, on voit donc le mode. On voit aussi 16, qui est la profondeur, hein, 8 ou 16 bits. Par contre, ma photo, elle est en quoi, là? Quel est son profil? Mais je clique en bas, tout à fait en bas. Vous avez à côté du facteur de réduction de la photo, là, il y a une petite flèche. Vous cliquez sur la flèche, et là, vous avez profil du document. Vous cliquez sur profil du document. Et là, ça vous indique le profil du document. Je vois bien que ma photo ici, elle est en Profoto. Voilà. Donc, je sais, et si jamais ma photo n'avait pas de profil incorporé, il me dirait pas de profil. Voilà, ça me permet de savoir que ma photo est en Profoto. Alors, l'autre manière aussi de connaître, vous pouvez aussi dans l'explorateur, là je vais vous montrer une photo, voilà, je suis dans mon explorateur, si je me mets sur un fichier JPEG et je fais un clic droit, j'ai propriété, donc je clique sur propriété, et là dans le panneau de propriété, je clique sur détails, et là dans détails, si je déroule. Je vais arriver sur une représentation des couleurs et ça m'indique que la photo, là, le JPEG sur laquelle j'ai regardé les propriétés, est bien en sRGB. C'est là qu'on voit. Et s'il n'y a rien, ben, ça veut dire qu'il n'y a pas de profil dans la photo. Donc si une photo fait des couleurs très 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 bizarres à l'extérieur ou etc., c'est pas du tout les bonnes couleurs. Ben, allez voir le profil de la photo. Probablement c'est qu'il n'y en a pas. Donc voilà, donc je vais enlever ça. Donc vous avez bien compris, hein, vous faites clic droit, propriété et détails. Et là vous déroulez et vous voyez représentation des couleurs et vous verrez le profil. Donc ici j'ai vu que il y avait le Profoto aussi. Alors vous pouvez toujours convertir, comme je vous ai dit, convertir la photo. Si elle est en Profoto, si j'ai envie par exemple d'envoyer ma photo en Adobe RGB pour l'impression, mais je vais convertir. Donc convertir, c'est édition, convertir en profil. Donc je convertis. Donc j'ai un profil de départ, un profil source qui est Profoto, et puis un espace de destination. Mais je vais alors, c'est sûr que Photoshop des fois il dit profil espace. Bon, voilà, c'est un peu pas toujours. Et je vais choisir
comment dire, Adobe RGB. Voilà, donc au départ, c'est une photo pour photo, une photo Adobe RGB. Et je fais OK. Et tac, ma photo est transformée en Adobe RGB. Alors là, vous avez vu que comme les couleurs sont pas des couleurs extrêmement saturées, j'ai diminué mon espace, la grandeur de mon espace, mais comme ce n'est pas des couleurs très saturées, les couleurs qui étaient en Profoto, elles se retrouvent en Adobe. Et il n'y a aucun changement, parce que là, je vous dis, une conversion change les codes de manière à ce que ça donne les mêmes couleurs. Donc les couleurs ne sont pas changées, sauf les couleurs qui sont extrêmement saturées et qui sont hors de l'espace de destination, alors qu'elles étaient dans l'espace de départ. Mais sinon, ça ne change pas les couleurs qui sont communes aux deux espaces. Alors par contre, je vais vous montrer une photo qui elle, n'a pas de profil. Alors j'ai préalablement fait une copie d'écran, une capture d'écran, une capture d'écran, et j'ai capturé un bout d'écran avec une photo, et je veux la coller dans Photoshop. Donc je fais fichier. Nouveau, il m'ouvre une photo, et là, qu'est-ce que je vais faire? Ben, je fais CTRL V pour coller la photo qui était dans mon presse-papier, et le presse-papier ne gère pas les espaces de couleur. Alors, petit problème, je vais y arriver. J'ai perdu ma photo. Ben, je vais en prendre une autre. Désolé, hein, je vais en prendre une autre photo. Mais je vais faire. Voilà. Désolé. Petit problème pratique. Voilà. Mais j'ai capturé hors écran, j'ai capturé une photo. Donc je vais créer, je fais nouveau, je crée une photo, je fais CTRL V. Et là, j'ai des couleurs effroyables. J'ai des couleurs effroyables. Pourquoi? Parce que quand j'ai fait une capture d'écran, ben, il n'y a pas de profil de couleur. Et comme PS n'a pas de profil de couleur, il ne sait pas à quoi correspondent ces couleurs et l'affichage est pourri. Ben, voilà la photo initiale. Hein, voilà la photo initiale. J'ai simplement fait une capture d'écran de la photo initiale et j'ai collé dans PS et voilà, je me retrouve avec des couleurs comme ça. Effectivement, je regarde en bas. Il y a marqué RVB sans description. Ça veut dire que c'est bien une photo RVB, mais qu'il n'y a pas de description d'espace. Et du coup, mes couleurs sont pourries. Donc, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut que là, que j'attribue un profil à cette photo. Alors, il faut que je lui dise, la photo est dans tel profil. Il faut, et ça ne va pas modifier les codes, ça va juste ajouter le profil. Et si je choisis le bon profil, ben, ça va donner les bonnes couleurs. Donc là, je fais édition. Et là, je fais attribuer un profil. Alors, il me met en garde, hein, ça peut faire des modifications. Et là, alors si je me mets en Profoto, effectivement, je m'aperçois que la photo, elle est toujours. Donc, c'est probablement pas du Profoto. Je vais me mettre en Adobe. Oui, mais c'est meilleur. Je vais peut-être me mettre en sRGB. Ben oui, effectivement, ça correspond. Ma photo, ben du coup, en fait, c'est une photo qui avait été prise en sRGB. Genre, du moins, la capture d'écran correspondait à du sRGB. Et effectivement, à partir du moment où je lui dis le profil de cette photo, c'est du sRGB, ben, il m'affiche les bonnes couleurs. Donc là, j'ai attribué un profil, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de changement de code couleur. J'ai juste mis un profil alors qu'il n'y en avait pas, et du coup, tout de suite, ma photo devient meilleure.
Alors pour ceux qui disaient comment voir les couleurs, ben si vous ouvrez le panneau information, hein, vous faites fenêtre information, vous avez un panneau d'information, et quand vous promenez le curseur, le pixel sur lequel est le curseur, vous retrouvez pour ce pixel-là les codes RVB. Ou d'autres codes d'ailleurs, vous pouvez afficher de manière différente. Voilà, là probablement ça correspond à un bleu. Hein, j'ai mis mon curseur sur le bleu, mais ça correspond en RVB à du bleu. Il y a beaucoup plus de bleu là en B, il y a 130. Voilà, ça vous permet de voir les codes couleurs. Et si vous vous amusez à faire des attributions d'un profil sur une photo qui n'en a pas, ou bien une conversion, mais si vous faites une conversion d'une photo qui a une couleur unie, mais vous verrez qu'en convertissant, passant d'un espace à l'autre, mais le code de la couleur va changer. Alors que si vous attribuez un profil, le code de la couleur ne va pas changer. Alors comme je vous disais tout à l'heure, comment gérer un peu le comportement? Mais vous faites comment dire le comment gérer le comportement de couleur? Mais vous faites édition couleur. Hein. Et là, vous avez ce panneau qui vous permet toujours règle de gestion des couleurs, RVB, conserver le profil incorporé. Et là, vous n'aurez pas de problème. Alors, si vous voulez pas du tout avoir de panneau d'avertissement quand vous ouvrez les photos, là, parce que si vous ouvrez une photo RVB et puis que ici c'est marqué pro photo, comme c'est pas le même, il va vous ouvrir un panneau pour vous avertir. Si vous voulez aucun avertissement, mais vous ne cliquez pas sur choix à l'ouverture, donc il n'y aura pas de choix à l'ouverture, donc systématiquement toute photo ouverte conservera son profil. Voilà, et puis comme je vous disais tout à l'heure, bon, là, c'est pour les photos qui n'ont pas de profil, on choisit un espace. Alors, moi j'ai mis pro photo parce que je travaille beaucoup avec Lightroom, donc effectivement. Mais a priori, les photos qui viennent de Lightroom ont toujours un profil, hein, puisque quand vous les exportez, vous avez le choix du profil. Là, voilà. Et puis, quand vous exportez, ben, si vous exportez enregistré sous, ben, le profil de la photo sera toujours mis dans la photo. Et puis, si vous exportez fichier exportation, exporté pour le web, ça c'était dans la dernière vidéo. Mais ça va exporter une photo. Si vous l'exportez pour le web, a priori, vous la mettrez en SRVB. Donc vous cocherez bien convertir en SVRB. Et surtout, vous mettrez incorporer le profil couleur. Il faudra cocher ça. De manière à ce que votre photo exportée, elle ait le profil dedans. Un profil, hein, c'est 3-4K, 3-4 000 octets. Hein, c'est pas bien gros, hein, ça prend pas trop de place. Mais au moins, voilà, votre photo, elle sera visible partout, surtout, et aucun logiciel sera perdu sur les couleurs. Voilà. Donc j'espère que tout ça c'est un peu clair. L'intérêt du profil incorporé, hein, comment le voir, comment le voir, comment le voir. Dernière, comment dire, partie, la calibration. Donc ça va être un peu plus rapide. Alors le problème, l'intérêt de la calibration. Ça c'est un exemple d'un abonné du groupe qui m'avait envoyé cette photo. Il avait reçu deux écrans, il avait commandé deux écrans. Bon, de ces bonnes qualités, hein, des NEC Spectra View, alors je ne sais pas ce que c'est, bon, c'est des écrans. Voilà, deux écrans. Il les a sortis du carton et, comment dire, il a regardé un peu les couleurs. Il les a branchés tous les deux sur la même image, il a regardé un peu les couleurs. Avant calibration, c'était la photo du haut. Il y avait un écran, effectivement, qui était très chaud et puis assez lumineux, et puis l'autre qui était plutôt très froid. Et il a calibré ces deux écrans. Et qu'est-ce qu'il a obtenu? Ben, les mêmes couleurs et la même luminosité sur les deux écrans. Ça vous montre l'intérêt de la calibration. La calibration, c'est quoi? C'est régler un peu un appareil, c'est régler un périphérique, de manière à ce qu'il affiche les bonnes couleurs, la bonne luminosité. Comment dire la majorité des écrans particuliers vont avoir à peu près les bonnes couleurs, mais la luminosité est souvent trop forte. Mais voilà, il y a quand même quelques pourcents de gens qui, avec un écran tout neuf, théoriquement bien calibré en usine, se retrouvent avec des couleurs fausses. Et ça, on ne le sait pas. On ne le sait pas.
Donc, à longueur de temps, hein, on a, tiens, mes couleurs, comment ça se fait? J'imprime et ce n'est pas les mêmes couleurs, c'est pas la même luminosité, j'ai envoyé ma photo à un copain, il voit pas le même truc, c'est trop saturé, ou alors les noirs sont bouchés, ou voilà, ma photo, elle est bien dans Photoshop, et puis quand je l'exporte, mais sur mon viewer, c'est pas exactement les mêmes couleurs, il y a une dominante, voilà, tous ces trucs-là. Mais c'est parce que vos appareils ne sont pas calibrés. Alors, en théorie, il y a un flux de gestion de la couleur. Alors, si on voulait, dans un monde merveilleux, il faudrait calibrer toute la chaîne. C'est-à-dire, vous allez, comment dire, calibrer votre appareil photo. Votre appareil photo, il voit des couleurs vraies, il fournit des couleurs. Et puis, ben vous allez voir si effectivement les codes couleurs RGB qu'il fournit, c'est bien, correspond bien aux couleurs lab qui ont été prises. Vous allez voir aussi si votre écran il affiche bien, c'est-à-dire que pour une valeur RGB, est-ce qu'il affiche bien la couleur correspondante là, ben est-ce qu'il a la vraie couleur? Et puis quand vous imprimez, ben est-ce que l'imprimante elle affiche bien? Voilà. Alors le maître étalon, c'est toujours l'espace lab, hein, c'est-à-dire qu'une couleur dans l'absolu, elle est définie par son code lab. Et on va voir si comment dire, en théorie, il faudrait que tout, de l'appareil photo jusqu'à l'impression, tous les appareils, l'appareil photo capte la bonne couleur, l'écran affiche les bonnes couleurs et que l'imprimante imprime les bonnes couleurs. Avec comme valeurs, les valeurs lab, qui sont des valeurs absolues. Alors ça, c'est bien, mais dans l'absolu, c'est pas trop atteignable. Alors, pour calibrer les appareils, on va utiliser ce qu'on appelle un profil ICC. Un profil ICC, alors il y en a qui me disent j'ai imprimé en Adobe un écran et puis en SRVB un autre. Ouais, je trouve ce passage génial, Patrick. Si tu es photographe, hein, tu es photographe, donc imprime, faut mettre peut-être les deux au même, dans le même espace. Donc voilà, alors un profil ICC, c'est quoi? Ben, un profil ICC, c'est un profil qui va enregistrer le comportement colorimétrique. Alors par exemple, d'un écran, c'est-à-dire qu'on lui envoie une couleur et puis quelle couleur il va afficher. Bon, on lui envoie un rouge, un code d'un rouge, et puis s'il affiche un rouge moins saturé que ça devrait faire, mais ça on l'enregistre. Donc on voit le comportement. Et puis la carte graphique, elle prendra ce profil et puis elle corrigera, elle saturera un peu plus les rouges pour que de manière à ce que, à l'affichage, les rouges soient réellement comme ils devraient être. Donc voilà, donc un profil ICC, ça enregistre le comportement colorimétrique d'un périphérique pour faire les corrections, pour que ce soit les bonnes couleurs. Le fait de créer ce profil, ça s'appelle le calibrage. Donc c'est idem pour les appareils photo, pour les scanners, les imprimantes, les vidéoprojecteurs. Alors, ce profil, bon, c'est bien plus large, hein, on pourrait un peu approfondir encore, mais alors le profil d'un périphérique, c'est l'ensemble, il enregistre l'ensemble des couleurs de l'appareil, c'est-à-dire il enregistre le gamut, hein, il enregistre le gamut, il indique les couleurs qui sont supportées par l'appareil. Il existe des tables qui sont un peu comme des tables de lutte, hein, des lookup tables, hein, pour ceux qui connaissent, qui enregistrent le comportement colorimétrique, hein, pour tel code, telle couleur sera affichée ou telle couleur sera capturée. Et puis il enregistre d'autres données comme le gamma, comme la température de couleur, comme la luminosité. Et puis, donc, par exemple, pour un écran, l'ordinateur, quand on met l'ordinateur en marche, il va charger la table ICC, qui est dans le profil ICC, et puis il va corriger les couleurs de manière à ce que si la carte graphique et l'ordinateur affichent des mauvais rouges, il va faire des corrections pour qu'on ça affiche des bons rouges. Alors, commençons par l'appareil photo. Alors l'appareil photo, c'est le premier élément de la chaîne. Alors bon, utile, point d'interrogation, j'y reviendrai.
Comment faire une calibration d'un appareil photo? Ben, on peut acheter des tables qui s'appellent Color Shaker, Passport par exemple. Ce sont des espèces de tables de couleurs, ce sont des espèces de mires. Vous avez une petite boîte, vous l'ouvrez, parce qu'il faut que ça reste dans le noir habituellement, pour pas abîmer les couleurs. Vous l'ouvrez, et puis là, vous avez plein de carrés de couleurs. Vous prenez votre appareil photo, donc dans certaines conditions, hein, c'est expliqué dans le manuel, vous prenez votre photo, vous prenez en photo cette mire. Et puis ensuite, la photo, vous la passez dans un logiciel. Alors bon, ben pour Adobe, ce qui s'appelle DNG Profile Editor. Et ce logiciel, bon, va analyser les couleurs. Et puis, il sait les couleurs qui ont été photographiées, et puis il voit les couleurs que fait l'écran, que fait l'appareil photo. Et puis, il crée un profil qui indique les corrections qu'il faut faire pour que les couleurs que vous avez photographiées soient les bonnes. Alors, dans ce cas-là, Adobe a fait une exception. Ce n'est pas des profils ICC. Il y a des logiciels qui font des profils ICC pour l'appareil, mais pour Photoshop, pour Adobe, c'est des profils DCP. Bon, je ne rentre pas dans les détails, il y a des différences entre les différents profils, mais bon, mais c'est le même principe. Vous prenez en photo une mire et un logiciel fait une table de comportement colorimétrique. Ensuite, cette table, elle va être rentrée dans Photoshop ou Lightroom. Et là, quand vous avez une photo qui viendra de cet appareil, le profil permettra de faire une correction des couleurs. Si vous photographiez ce rouge qui est sur la mire, et puis que sur la photo, le rouge n'est pas très rouge, mais dans le profil, ça sera indiqué qu'il faut corriger le rouge et ça saturera le rouge pour donner le bon rouge dans votre photo. Voilà. Alors, il ne faut pas confondre avec les profils XMP, hein, les profils XMP qui sont les profils d'entrée, là maintenant, dans Photoshop et Lightroom. C'est autre chose. Les profils XMP peuvent d'ailleurs contenir des profils DCP, mais bon, il y a de très bons articles sur le groupe, mais c'est un peu compliqué. Voilà, donc ça c'est la calibration. Alors, utile, point d'interrogation. Bon, il faut avouer que 99% des photographes ne calibrent pas leur appareil photo. Alors là, on tombe dans le degré d'exigence. Hein. Vous photographiez des tableaux au Louvre pour faire un bouquin. Il faut absolument que les couleurs soient exactes. Donc là, vous, les photographes qui œuvrent dans un musée, vont calibrer leur appareil photo. Pareil pour le parfum Chanel, pour la robe Chanel avec une couleur très précise à mettre sur un catalogue ou etc. Il faut que les couleurs soient absolument correctes. Donc là, le photographe va calibrer son appareil photo de manière à ce que son fichier de photos contiennent exactement les photos qui ont été prises. Ont été prises. Voilà. Et bon, il y a certains photographes hein, qui sont des photographes de mode, qui sont des photographes qui ont un degré d'exigence extrêmement important, qui prennent comment dire, une photo avec la mire à chaque shoot, Et tous les jours, à chaque shoot, ils font un profil pour la séance. Mais c'est des exigences particulières et la majorité des photographes ne prennent pas ne font pas de calibrage de l'appareil photo. Oui, certains me disent 3 ans maximum de durée de vie. Effectivement, les couleurs se changent avec le temps. Donc, il est conseillé, c'est pas éternel. Il faut surtout laisser comment dire, la mire dans le noir, quoi, parce que si elle dure un peu plus longtemps. Voilà. Donc, utile dans la majorité des cas pour les photographes comme nous, c'est pas utile de calibrer l'appareil photo, d'autant que souvent on triture un peu les couleurs après, hein, donc on n'est pas dans la. Mais par contre, le photographe a besoin parfois de calibrer. Alors, pour confondre avec la charte
de gris hein, qui permet de régler la balance des blancs. Hein. La charte de gris, on prend en photo une charte de gris qui est un gris neutre, hein, qui contient vraiment que du gris. Et puis dans Lightroom ou PS, on fait sa balance des blancs en cliquant avec la pipette sur le gris et ça règle la balance des blancs. On corrige ainsi les dérives de la couleur. De l'illuminant, voilà, si on a une lumière jaune, on a une scène dans une lumière jaune, ça va corriger le jaune, mais c'est pas du tout un profil là, hein, c'est juste une correction de la balance des blancs. Alors, le calibrage des écrans, on arrive à la fin, vous inquiétez pas. Le calibrage des écrans, comme je vous disais, hein, l'exemple, c'est, vous ne savez pas, vous recevez un écran tout neuf, vous ne savez pas si les couleurs sont bonnes ou pas, et il n'y a aucun moyen de le savoir comme ça. Alors tous les systèmes software, là, sans matériel, ça ne marche pas. La seule chose qui marche, c'est de calibrer avec un appareil, de calibrer avec une sonde. Alors, votre écran, alors maintenant, on conseille aux photographes hein, d'utiliser une dalle IPS ou une dalle OLED. Pas de dalle NT ni de dalle VA. Mais vous verrez ces conseils hein, sur le site ou bien sur le site d'Arno Frisch. Les dalles IPS et puis OLED, c'est les dalles qui si vous décalez un peu et vous ne mettez pas totalement en face de votre écran, mais vous aurez une conservation des couleurs et de la luminosité, alors que les vieilles dalles qui ne sont pas pour les photographes. Si vous décalez de 20 degrés par rapport à l'axe de l'écran, vous allez voir que les choses vont changer et c'est pas possible de travailler. Donc une dalle IPS ou une dalle OLED. Donc comme je disais, la majorité des écrans sont presque corrects, question couleur, mais pas toujours, et surtout ils sont souvent trop lumineux. Donc en fait, ça peut afficher des couleurs fausses avec des dominantes. Donc vous allez corriger la dominante et du coup l'impression vous aurez la couleur complémentaire qui sera en trop. Hein. Si vous avez du jaune, une dominante jaune par l'écran, mais vous allez enlever du jaune et puis vous aurez du bleu sur voilà. Ça influence vos post-traitements, c'est une déception sur les écrans des autres. Et puis alors surtout, souvent les écrans sont trop clairs. Donc comme vous voulez une luminosité normale sur l'écran. Vous foncez votre photo, puisque et là vous serez content sur l'écran parce que votre photo est correcte. Mais quand vous l'imprimez, vous allez imprimer une photo foncée et la photo sera très foncée. Alors avant, on ne calibrait pas, les gens disaient, ben oui, avant l'impression, vous éclaircissez votre photo de 20% et puis ça ira bien. Mais maintenant, si on a un écran calibré, ben comment dire, on n'a pas besoin de corriger. Voilà. Alors comment on fait? Ben on pose la sonde sur l'écran. La sonde, il faut l'acheter. Hein. Bon, il y a différentes sondes. Hein. Bon, je ne rentre pas dans les détails. Il y a des colorimètres et des spectrophotomètres qui sont un peu plus chers, mais qui permettent de calibrer aussi les imprimantes. Donc, la sonde, elle est mise sur l'écran. Sur certains écrans haut de gamme, il y a des sondes intégrées. Hein. C'est tout intégré. Et puis, il y a un logiciel. Alors, le calibrage de l'écran se fait de deux manières. Il y a d'abord le réglage. Le réglage calibrage. Le réglage calibrage, il va servir à régler la luminosité, le gamma et puis la température de couleur. La luminosité, souvent les écrans naturellement sont très très lumineux. On s'habitue, hein, c'est flatteur, c'est voilà. Il faut souvent diminuer la luminosité. Alors le gamma, bon, le gamma c'est un peu en quelque sorte c'est une approche du contraste, pas exactement ça, mais enfin bon, en simplifiant c'est le contraste. Bon, il est toujours à 2,2 pour tous les écrans, pour même chez Mac et tout ça. Et puis à la température de couleur de votre écran va être plus froid ou plus chaud, plus ou moins chaud. Alors pour la luminosité. Il est conseillé, si pour le web, hein, pour voir les photos des copains, pour que vos photos soient correctement exposées de manière à ce que les autres les voient très bien aussi, de régler à 120 candela. L'unité de luminosité, c'est le candela par mètre carré. 120 candela pour le web. Et puis par contre, si vous voulez voir vos photos sur un écran avant qu'elles soient imprimées, et puis qu'effectivement, elles aient une luminosité qui soit à peu près équivalente à la luminosité qu'il va y avoir sur votre papier, mais il faut mettre votre écran à une luminosité 80-90.
Alors, quand vous modifiez votre luminosité et que vous la passez à 90, alors que vous aviez un écran à 180 candela, vous allez pleurer, vous allez dire c'est trop, oulala, mais c'est trop sombre, c'est nul. Mais en fait, on s'y habitue au bout de quelques jours. Voilà. Donc, pour le web, vous réglez à 120, et puis si vous imprimez et que vous voulez réellement savoir ce que ça va donner sur le papier, à peu près, hein, à peu près, hein, parce qu'un écran émet de la lumière, pas le papier. Vous réglez votre écran à 80-90. Voilà. Alors, moi, j'ai deux écrans. Donc, j'en ai un qui est à 120, hein, c'est l'écran du portable. Et puis, j'ai un autre qui est à 90. Voilà. Et puis, avant d'imprimer, je regarde ma photo sur celui à 90. Et puis, sinon, pour les photos pour le web, je regarde sur 120. Si on n'a pas deux écrans, on peut faire deux profils. On fabrique deux profils, un profil à 90 et un profil à 120. Et puis, le jour où on imprime, on modifie le profil de l'écran et puis on le met à 90 et puis là on regarde ses photos pour voir si elles sont pas trop sombres ou trop claires. Enfin, un autre truc, alors ça c'est mon petit truc, c'est-à-dire que en calibrant, je me suis aperçu que il faut régler la luminosité sur l'écran, et puis je me suis aperçu que la luminosité, je sais pas moi, pour 120 candela, elle était à 70, et puis pour 80 candela, elle était à 45, mais j'ai retenu les valeurs, et puis je travaille à 120, et puis juste avant d'imprimer, je modifie la luminosité de mon écran, je la baisse à 45 pour me rendre compte que ce que ça donnera. Bon, beaucoup de photographes bossent à 90, hein, et puis restent toujours à 90. On s'habitue, c'est pas très lumineux, mais très très facilement on s'habitue. Pour la température de couleur, alors voilà, si un écran à 5000 degrés Kelvin, ça donne ça, hein, c'est un peu chaud. À 6500, ça donne ça, et puis à 7500, ben, c'est un peu froid, hein, ça donne des bleus. Alors voilà, alors moi ce que j'en ai déduit, c'est que pour le photographe, la valeur normale, c'est 6500, hein, autrement appelé D65. C'est plus naturel pour les tirages, pour voir les tirages en lumière ambiante et tout ça. C'est avec les éclairages qu'on a, c'est très bien. Mais les imprimeurs vous diront tous que c'est des D50, 5000K, c'est-à-dire qu'il faut avoir un écran qui soit très chaud, parce que c'est la norme, c'est officiel dans les cabines de visualisation des imprimeurs, ils travaillent en 5000K, etc. Mais les photographes travaillent en 6500 la plupart du temps. Alors voilà, alors vous lancez votre logiciel de calibration avec la sonde sur l'écran, vous faites caractérisation effectivement de l'écran. Ensuite, on vous demande de sélectionner effectivement l'illuminant, hein, le point blanc, ben là, D65, hein, ça correspond à 6500, 120 candela si c'est pour le web, la courbe standard à 2,2, voilà. Et puis vous lancez le comment dire le calibrage, et puis là effectivement il y a plusieurs étapes, en particulier l'étape de la luminosité, hein. On vous demande de modifier le bouton ou bien la manière de modifier la luminosité de votre écran de manière à ce que la luminosité arrive sur la valeur cible. Si vous avez donné 120 ou 90, voilà. Et puis ensuite, après, vous ne touchez plus du tout à la luminosité de votre écran parce que sinon, l'écran n'est plus calibré en luminosité. La deuxième étape, c'est la caractérisation. La caractérisation, c'est effectivement définir le comportement colorimétrique. Donc, on affiche des couleurs et puis la sonde, elle va enregistrer les couleurs et voir les différences entre la couleur supposément affichée et la couleur réellement affichée. Elle va faire des tables qui vont être utilisées pour les corrections. Voilà, alors vous démarrez la mesure, là, voilà comment ça se passe. Hein, votre sonde, elle est sur l'écran, et puis l'écran, il change de couleur, ça enregistre. Et puis à la fin, ça vous propose d'enregistrer une table. Alors, des fois, ils vous demandent, est-ce que vous voulez enregistrer votre table en mode V2 ou V4? Voilà, vous dites plutôt V2, comme ça sera. Voilà pour toutes sortes d'appareils. Donc vous enregistrez votre profil. Alors combien de fois faut le faire? Bon, ben avant on disait tous les mois quand c'est des écrans cathodiques, hein, mais il semble qu'avec les écrans actuels, plats, surtout si c'est des écrans pas trop vieux, 2 à 3 fois par an, c'est suffisant. Hein. C'est Arnaud Frisch qui dit ça aussi. 2 à 3 fois par an, c'est suffisant parce que les dérives sont quand même peu importantes. Si on calibre tous les 2 mois, généralement, on a l'impression qu'il n'y a pas de changement. Si c'est un vieux moniteur, effectivement, il faut calibrer un peu plus souvent.
Alors effectivement, si dans Windows, vous faites une recherche de gestion de la couleur, vous allez tomber sur un panneau de gestion de la couleur et vous verrez pour chacun des écrans quel est le profil qui est utilisé. Alors il faut quand on vous demande le nom justement du profil, il faut mettre un nom explicite pour pouvoir le trouver. Et si vous avez plusieurs écrans, mais vous pouvez calibrer chacun des écrans. Alors, ça, je passe un peu parce que c'est le sujet. Vous pouvez regarder quel est le profil dans Photoshop, mais surtout ne pas mettre le profil. Si vous déroulez la liste qui est dans les espaces de travail RVB, vous allez voir tous les profils. Il y a une ligne qui s'appelle RVB Moniteur. Et là, ça vous indique le profil qui fonctionne sur votre écran. Mais c'est le profil de l'écran, ce n'est pas le profil de Photoshop. Donc, surtout ne pas mettre ce profil-là dans le profil RVB. Dans le profil RVB, il faut Profoto ou Adobe RVB ou sRGB, mais surtout pas le profil du moniteur. Voilà, dernier élément, et on arrive à la fin, les imprimantes. Alors là, je vais faire simple, c'est très compliqué parce qu'il y a des bagarres partout, tout le monde dit, mais non, il faut faire comme ça. Chacun a un usage et voudrait que tout le monde ait cet usage. Donc en fait, il y a des choses différentes, donc je vais un peu simplifier, j'espère que je ne vais pas dire des bêtises. Mais vous avez une imprimante jet d'encre locale. Donc, quand vous installez votre imprimante, le logiciel généralement installe aussi des profils ICC. Voilà. Il y a certains sites aussi qui permettent de créer des profils. Et puis enfin, si vous avez une sonde comme un spectrophotomètre, par exemple la Color Multi, par exemple, c'est des sondes qui permettent de calibrer les imprimantes. Alors, d'abord, vous imprimez des pages de couleurs, et puis ensuite, avec la sonde, vous lisez les couleurs, et puis, en fonction des couleurs qui ont été envoyées et des couleurs qui sont imprimées, ben, là, pareil, hein, il va y avoir création d'un profil ICC qui va permettre de corriger les dérives de couleurs. Certains le font. Alors maintenant, de plus en plus, hein, les spécialistes, alors ça, je ne sais pas, hein, je dis ce que j'ai entendu, laisser l'imprimante gérer les couleurs, il paraît que ça fait énormément de progrès, que c'est bien et qu'il ne faut pas trop s'embêter. Il faut dire à l'imprimante j'ai donc de gérer les couleurs, le dire à l'imprimante et le dire au logiciel qui imprime, hein, Lightroom ou Photoshop, et dire à l'imprimante tu gères les couleurs, dire à Photoshop et à Lightroom tu ne gères pas les couleurs. Et l'imprimante se débrouille généralement très bien parce que la gestion de la couleur des imprimantes a fait d'énormes progrès, contrairement à ce qui était il y a quelques années. Voilà, il y a l'imprimeur web. Alors l'imprimeur web, il vous dit envoyez-moi vos photos en sRGB. Bon, ben vous convertissez en sRGB ou vous faites enregistrer pour le web et vous envoyez votre photo en sRGB. Avec le profil toujours. Alors des fois, ils vous fournissent ce qu'on appelle des profils ICC de leur imprimante. Alors si par exemple vous imprimez sur du Dibon, sur des matières qui ont des impressions très particulières, mais vous pouvez récupérer sur leur site le profil de l'imprimante et vous allez l'installer et puis vous ferez ce qu'on appelle un épreuvage d'écran. C'est-à-dire que alors vous faites affichage, format d'épreuve, personnalisé, et là vous choisissez le profil que vous a fourni l'imprimeur, donc photo web là par exemple. Et si vous lancez ça, Photoshop va simuler l'aspect qu'aura la photo imprimée sur les imprimantes de photo web. Ça vous permet de voir, par exemple, que l'imprimante, elle imprime trop de rouge, elle imprime, etc., et de faire des corrections avant d'envoyer votre photo. Voilà, il faut avoir quand même un bon écran. Surtout, il ne faut pas envoyer la photo avec le profil qui a été fourni. Il faut toujours envoyer la photo en sRGB ou éventuellement en Adobe RVB s'il l'accepte. Donc l'épreuvage d'écran, ça sert juste à voir quel aspect aura la photo une fois qu'elle a été imprimée. Mais en aucun cas, vous l'utilisez pour travailler sur la photo.
Voilà. Et puis les imprimeurs de très haute qualité, bon, pour pas citer Art Photo Lab et tout ça, voilà, c'est de véritables imprimeurs photo. Donc vous envoyez les photos, généralement en TIFF ou voilà ce qu'ils demandent. Pourquoi en TIFF? Mais parce que des fois ils ont des petites corrections à faire directement sur la photo s'ils détectent une dominante ou autre chose comme ça. Et puis généralement ils acceptent des profils très très larges parce qu'ils ont des imprimantes très très performantes. Hein. Ils achètent de Adobe, le Profoto, etc. Et puis ils s'occupent de tout aussi. Vous pouvez aussi envoyer votre photo chez l'imprimeur local, hein, le type qui a un petit magasin photo. Alors lui, il va imprimer avec un mini lab Frontair. Mais là, c'est pareil, vous envoyez votre photo en sRGB, là, avec. Et puis, voilà. Alors là, c'est l'inverse, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de problème de profil, de choses comme ça. Lui, il cale sa machine pour qu'elle imprime correctement le sRGB. Si vous envoyez une photo sRGB, a priori, les couleurs sont bonnes. Enfin, alors il y a le monde de l'imprimerie, les imprimeurs classiques, hein, prépresse, quadricomi, offset, qui eux impriment des affiches, des revues, de la presse, des livres, des flyers. Alors ça, c'est un autre monde. Hein. Donc, fournir ce qu'ils demandent. Voilà, ils demandent des fichiers PDF, on fournit du PDF. Ils veulent absolument du cyan magenta, jaune noir. Ben, vous convertissez votre photo en cyan magenta, jaune noir, et puis vous envoyez. Voilà. Mais c'est un monde à part, c'est pas le monde de la photo. Ils veulent aussi du 300 dpi, absolument. Bon, mais vous faites transformer votre photo en 300 dpi. Et puis c'est là effectivement qu'éventuellement ils peuvent vous envoyer le profil CMJN, le profil ICC CMJN de leur imprimante. Et là, vous pourrez utiliser dans Photoshop. Les profils CMJN, on ne peut pas les utiliser dans Lightroom, on peut les utiliser dans Photoshop. Et là, vous pourrez faire une épreuvage d'écran, c'est-à-dire pour voir ce que votre photo donnera une fois qu'elle sera imprimée par les imprimantes prépresse. Mais juste là, vous ne travaillez pas votre photo en CMJN. C'est juste pour un épreuvage d'écran et vous convertissez au dernier moment s'ils en ont envie. Mais là, c'est voilà, dans l'histoire de l'impression, il faut fournir ce que l'imprimeur veut. Voilà, bah écoutez, on a fait un peu le tour. C'est quand même, un peu lourd. Alors, question, comment on sait si la sonde est elle-même calibrée? Alors, dans la sonde que j'utilise, la Color Muniki, il y a un autocalibrage au départ, c'est-à-dire qu'on met dans une position où elle s'autocalibre. Alors, il y a des sondes qui sont faites avec de la gélatine, donc elles ne durent pas trop longtemps. Il y a des sondes qui sont faites avec des filtres. Vert coloré qui dure beaucoup plus longtemps. Et puis, alors ça, c'est les sondes, c'est les colorimètres. Par contre, il y a des spectrophotomètres. Alors, c'est des sondes qui sont faites avec un prisme hein, qui dirige la lumière sur différentes LED, différentes cellules photosensibles. Et celles-ci, elles ont quand même la réputation de ne pas se dérégler et elles durent très très longtemps. On a au club une sonde qui a pas mal d'années et qui rend toujours de bons services. Donc voilà. Donc la sonde s'autocalibre hein, généralement au départ et puis voilà. Bon, effectivement, après, savoir si la sonde est bien au bout de quelques années, ben, il faut la comparer à une autre sonde nouvelle hein, chez quelqu'un d'autre. C'est le seul moyen. Hein, c'est la métrologie, là, il faut comparer avec un étalon si vraiment vous avez des doutes. Mais généralement, elles sont bonnes et elles s'autocalibrent. Voilà, bah écoutez, je crois que c'était un peu dense. Hein. Alors, je vous dis, vous avez tout ça sur le site. Alors voilà, donc aussi je vous ai vous annoncé, bon on a fait des vidéos là pendant le confinement, maintenant on est dans le déconfinement. Voilà, j'ai fait un peu le tour, j'ai envie de faire un peu de photos maintenant, j'ai envie de faire un peu de photos, donc je vais faire une pause un peu sur les vidéos. Puis on verra pour plus tard. Bon, cette vidéo est très très dense, hein. Vous pouvez la regarder en replay, j'espère. Vous pouvez toujours en commentaire de la vidéo sur Facebook me poser des questions. Voilà, bah écoutez, bonne soirée à vous, bon déconfinement. J'espère que ça a été clair. C'est quand même un sujet qui est difficile. Mais je vous dis, il y a des, il y a, il y a des,
là, comment dire, il y a des détails supplémentaires hein, sur le site que je remets toujours un peu à jour. Certains calibrent leur écran à 6000K, ben, pourquoi pas hein, Et puis bien sûr, la vidéo sera toujours en replay, au même endroit, là. Je vais arrêter. Et comment dire, la vidéo sera en replay, comme d'habitude. Bon, au bout d'un certain temps, je coupe un peu le début, là, parce que le début, il y a un peu de musique et rien ne se passe. Donc généralement, je coupe une dizaine de minutes pour de manière à ce que la vidéo démarre. Mais je ne le fais pas tout de suite, des fois. Donc j'espère que ça vous servira. Bon déconfinement, faites attention à vous, portez des masques. Et puis c'était sympa de vous avoir. Et comme je vous dis, je fais une pause un peu sur les vidéos. Parce que voilà, je ne fais pas assez de photos et j'ai envie de faire un peu de photos. Bonne soirée à vous, hein. Merci bien, j'espère que c'était compréhensible. Ciao, ciao!